Yo, salut tout le monde, c'est Camille en mode. Il n'y a pas un bruit. Voilà, une quête en échec, j'ai vu ça. On a failli celle-là. Bon, c'était pas méchant. On a une de fail. Parce qu'on a fait le mauvais choix en parlant au roi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, pas celui qui était prévu. Parler à Igor. Voilà, c'est là que j'ai oublié de parler à Igor en fait, parce qu'il est un peu mort. Et jouer aux cartes avec les clients du casino, j'ai un peu oublié, puisque j'aime pas jouer aux cartes. Donc là, on va aller pénétrer dans le repère du petit bâtard directement. Voilà, on repart, il est 18h50. Vous savez quoi? 18h50, moi j'aime pas ça. 8h du matin, 6h, on est. Vas-y, dormir, on va se reposer 12h. Ça va, c'est bien, 12h de repos. Et en plus, il fait beau. C'est pas mon cheval, d'accord. Je pensais que je pouvais pas monter dessus en fait. J'en ai. Bon, en tout cas, on va enfin se défoncer, ce petit bâtard. Des nouvelles de Vézina? Tu fais ravaler mon épée. Ta tête avec une bouteille. Voilà ce qu'il faut. C'est quoi la tête de mort qui est en dessous là? Le mode découverte, j'avais jamais fait gaffe, je crois. Honneur et patrie. Regardez en dessous de ma barre de vie, il y a une tête de mort. Ils t'ont extorqué de l'argent. Ils sont passés chez tout le monde et tout le monde a payé. Je m'ennuie quand même. Découverte. Ah, il est là, le petit. Bonjour. Que voulez-vous? Où est le bâtard? En voilà un qui a une sacrée paire de couilles. Ah, mais oui. Je te reconnais, fils de pute. C'est toi qui as buté Holgar et Vic. Tu veux un petit signe, oui. Oui, maintenant c'est ton tour. Maintenant que vous le dites, c'est bien possible, oui. Attendez voir, Holgar et Vic. C'est bien ça? Salut, Hélène, de ma part. Non. Permis. À la gauche! À la gauche! Qu'est-ce que ça se fait? Salut! Pourquoi j'ai pas d'armes? Mais sors tes armes, bordel! Mais pourquoi j'ai pas mes armes? Ah voilà. Voilà. Bon bah du coup j'en aurais au moins fait. Qu'est-ce que ça signifie? Bah ils ont pas été cool avec moi. Ah bah on a les clés. D'ailleurs, ça me fait penser que je crois que le point, on l'avait pas dépensé tout à l'heure. En voulant mettre ça, améliorer la compétence. Voilà, on l'avait pas mis. Pas tout à l'heure, l'épisode précédent en fait, c'était tout à l'heure pour moi. On est au combien là, au 48, c'est ça? Tu ne me laisses pas le choix. Ah! Comment je mets mes armes, bordel? Ils vont me casser les couilles. Non mais arrête, arrête les frais là. Sors ton épée, bordel de merde. Oui bah... Tu sors l'épée. Putain, mais pourquoi je ne sors pas mon... Ah voilà. Voilà, putain, mais je mets... ça m'énerve. Je commence à m'énerver un peu. Là, ça fait une grosse session et des fois il sort l'épée. Je sais pas pourquoi il range l'épée, il la ressort, etc. Faudrait que je regarde la macro. Je dois appuyer sur la mauvaise touche et vu que je l'ai fait, ça arrive une fois sur 10, je pense jamais à regarder, je m'en souviens jamais. Bon, bah en tout cas on est mort, comme des vraies merdes. Hein, ça fait plaisir. Voilà. En plus, je suis en train de crever de chaud, j'ai 27 là, dans mon bureau. Bon, les temps de chargement, toujours infinitif. Infinitif. Oh, bonjour. Infini. Pourquoi infinitif? Ouais, c'était un peu trop court le mot infini, je me suis dit, allez, on va rajouter des syllabes. Non, je pense que je voulais dire deux trucs en même temps. Non, mais non, mais...
configuration des touches. Pareil, contraire. Utiliser un raccourci d'objet dans son fourreau, là, d'appuyer sur le gamepad pour être et descendre sur la rate. À dégainer, c'est 1 et 2. D'accord. Son Altesse le roi Radovid est un souverain. C'est... Et de 1. Cet enculé. Tu vas crever comme un chien. D'accord, c'est pas génial. Non. Je vous remets ton arme. Voilà, merci. Défoncez-le, putain. Vas-y, prends du raisin. Le raisin, c'est bon. Voilà, comme ça, je pourrais m'attaquer à lui derrière. Allez, voilà. Je vais pas te découper. Une petite matraque, une épée, voilà, toujours la même. Des carreaux. Les dernières paroles. Merde. Yes, petite esquive qui fait du bien là. Question con. Voilà, on est fou. On est dans leur camp, on s'est reposé tranquille. Voilà, bonjour. Bravo, je les ai mis. Oh, j'ai fait un double KO là. Les mecs, là voilà. Si, c'est pas intelligent. Eh, pourquoi je peux pas te buter? Je pouvais pas le buter. Tu vas crever comme un chien. Bah viens. Ah la vache. Bon, moi je t'ai découpé. Le mec, non. Il était rangé dans ses fleurs là, donc je pouvais pas y aller. On n'attaque pas les gens dans les fleurs, on l'a déjà dit. Non mais c'est chelou. Qui devrait pas. Ah cool. Bon, mode sorceleur. Bonjour, j'ai des tocs. Voilà, faut que j'allume les lampes. Il veut pas. Non. D'accord, mais il veut pas. Bon, je vais essayer de continuer voir s'il n'y a pas d'autres zones et d'autres blancs de vue là. Non, je pense qu'il va falloir rentrer dans la baraque. Une petite sauvegarde rapide. Bonjour. Merde, putain. Enfoiré. Oh putain. Ah, t'es sérieux, j'arrive pas à crever. Ouais, bah oui, évidemment, on va. Merde, la plus récente. J'ai fait une sauvegarde rapide, heureusement.
Ah la vache. Bon, ça devient un peu difficile. Bon là, pourtant, on est dans le niveau, hein, 12 sur 12. Ouais, c'est un niveau 12. Voilà. Ça me fait voir que là, je commence à avoir vraiment la dalle. Mais il est 18h41, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Bon, je me suis levé à 14h. C'est pas une raison. Donc du coup... Bah du coup, ça charge, j'aimerais bien. On va changer, on va enlever, on va mettre le bikini. Hein. Ah vache, j'y vais jamais arriver. Voilà, c'est nul. Non, mais déjà s'il fait pas ce que je veux. Bon bah voilà, en fait le gni est très bien. Hein. Alors, ouais, parce que ça fait plus de style quand même. S'allumer là, ouais, s'allumer. Ah, surchargé, bordel! Ok, bon, je vais jeter les trucs alors. Parce que là. Ça coûte 18. 18. Le truc qui va de rien du tout déjà. 87 sur 90. 222, 61, 107. Je veux juste les prix en fait, mais ça coûte assez cher. 918 celle-là. Aïe. Elle est dans quel état? 54% et 66. Toi, tu vas te réparer. Bon, je pense que j'ai réparé, mais. Du coup, on est à 87 sur 90. Ok. Faut que je pense à vendre mes cuillères et tout le bordel aussi. J'ai toujours pas vendu. Il y a un corps là? Ah bah non, il n'y a pas de corps. C'est les épées que j'ai laissées. Du coup, voilà, on va mettre le feu. Et on va aller là-haut. Un petit coup de F5. Sale pervers dégénéré. S'il a touché un seul cheveu de Ciri, il va le regretter. Bonjour, l'âme. Tu es dans un sale état. Oh, t'es sérieux, mec. C'est un taré ce mec. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouf. C'est toi, Willy, donc. Ah, ils sont morts. Personne ne viendra. Oh, comment ils se déchaînent. Arrêtez. Ah, vas-y, Gérald. Oh, c'est cadeau, ça. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah, c'est la voix de quoi? J'ai vu. Je suis venu te parler déjà pour commencer. Salut petit, je suis venu pour parler. J'aime parler avec toi. Je ferai tout ce que vous voulez. D'accord, c'est pas la voix de Cartman? Commence déjà par répondre à mes questions. Je vais tout vous dire. Je cherche une jeune femme et un ménestrel. Je sais que tu les as rencontrés. Une fille? Tout ça pour une putain?
Je veux Sandré, une épée dans le dos, comme moi. Oui, oui, je me souviens. C'est bien elle. Écoute-moi bien. Tu as intérêt à me dire la vérité. Tu veux savoir pourquoi ? Je mentirai pas. Promis. J'ai mis du temps à te trouver. La route a été longue. Je suis fatigué et très en colère. J'ai dû tuer pas mal de gens au passage. On m'a menti, on m'a volé, on s'est foutu de moi. Mais maintenant, c'est fini. Un mensonge. Un simple petit mensonge de plus. Et ce sera le mensonge de trop. Tu comprends maintenant ? Tu comprends pourquoi tu dois me dire la vérité ? Oui. Bien. Voilà, désolé tout à l'heure, j'étais au mamie qui appelle et je pouvais pas couper en pleine cinématique. Donc tu ferais mieux de pas me mentir, on avait fait tout à l'heure, donc parle-moi d'elle. Tu vas me dire comment tu as rencontré cette fille aux cheveux cendrés et ce qui lui est arrivé ensuite. Ce qui lui est arrivé ? Elle m'a attaqué ! Ne mens pas, sinon je te coupe les couilles. On avait passé un accord. Je devais réparer leur filage chose magique, et en échange, la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor de Sidi Reven. Ils n'ont pas respecté leur part du marché. Alors quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai enlevé leur larbin, Dodo, et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher. Regardez, c'est ça qu'ils m'ont demandé de réparer. Un phylactère. Tu sais réparer ce genre d'objet ? Moi, non, mais je connais un gars qui... Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails. D'accord, d'accord. Je vais tout vous raconter. Ouais, vas-y, parle. J'ai comme un mauvais pressentiment. Écoute, Jasky, on ne peut pas laisser Doudou entre les mains du petit bâtard. Oui, je sais. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui. C'est que des voix connues, en fait. Je vais y aller seul. Je vais entrer seul. Toi, tu m'attends dehors. Non, je reste avec toi. S'il t'arrive quelque chose, Gérald m'arrachera la tête. L'un de nous doit rester en arrière pour assurer notre retraite. En cas de pépin, il faudra fuir au plus vite et nous fondre dans la foule. Tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve Doudou ? Une chambre au dernier étage avec un balcon. Je vais passer par les toits. Attends-moi devant chez le bâtard et débrouille-toi pour ne pas te faire remarquer. Si jamais... S'ils te font du mal, le bâtard le paiera cher. Ouais, il faut que je passe par le toit. Pas échelle, ok. Ah, et puis j'ai pas de sens de sorceleur avec toi, par contre. Donc quand je serai paumé, je serai encore plus définitivement paumé. Non, tu veux pas sauter là ? D'accord, merci. Oh, t'es chaud ! Une chambre au dernier étage, avec un balcon. D'accord. Donc ça, c'est assez facile d'accéder... Voilà le balcon. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. Bon, bah go. C'est verrouillé. Bon, on va regarder ce qui se passe alors. Ah bah non, on va même y aller. À présent, mon cher Dodo, je vais essayer un nouvel outil. Celui-ci ne m'amuse plus du tout. Vous êtes fou allié. On vous l'a déjà dit. Non, les gens me trouvent charmant. Une fois qu'ils me connaissent bien. Dites-moi, vous aimez les rencontres inattendues ? Oui, pourquoi ? Tu veux me présenter quelqu'un ? Oui, bonjour. Ah, te voilà. C'est gentil à toi d'être venu. Je t'attendais. Bon, forcément, on va pas le tuer.
Ah voilà, c'est bon, je vais pouvoir attaquer ce combat. Oh! Ah mais flûte, du coup je l'avais fait. Chaque fois que Sylar utilise ses pouvoirs spéciaux, son énergie diminue. Ok. Non, je vais crever. Je suis empoisonné en plus. Ah voilà, je suis une grave peur. Il pourra y dent pour dent. Allez dodo. Ils arrivent. Doudou, écoute. Voilà ce qu'on va faire. Attrapez-moi cette pute! J'ai plus de PV, allez, attrapez-la. Je vais commencer par fuir. D'accord, je ne peux pas. Hey! Je suis Keblo? Hey! Mais j'étais Keblo, je pouvais pas bouger. Fait chier. Ouais, que je pouvais pas bouger, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vient du jeu ou si ça vient de moi, mais en tout cas c'est pas bon. Quand tu veux mon pépère. Allez petit bonhomme. Alors. Bon en tout cas Siri, je sais pas du tout la. Je joue avec. Mis à part esquiver, j'en prends plein la gueule, j'ai pas de soin, rien. Cette fois, son compte est bon. Oh. Allez, attrapez-la. Merde, trop autant. J'ai eu. Non, bouge, c'est ça qui. Voilà. Et quand t'as fait ça, je sais pas, ça me bloque. Ben oui, forcément, là. Bon. Amène-toi, connard. Allez. J'ai déjà plus prévu. D'accord. Bon, je sais pas ce que je fais, mais là j'ai réussi. Une... Voilà, alors je sais pas comment j'ai fait. Vas-y, dis-moi que j'ai de la bouffe là. Arrête de bouger. Elle s'arrête pas, elle fait ça toute seule, hein. Je ne dirige rien. Je peux sortir par là. Non, c'est par là. Tu vas arrêter de marcher toute seule, bordel. Comment on l'a fait arrêter de marcher? S'il te plaît, comment t'arrêtes de marcher? Ah, c'est ça. Bon. Ah bah, tu peux même plus marcher du tout, là. T'es sérieux? Je marche avec W. Voilà. On va faire ça pour le prochain épisode, hein. On va s'arrêter là-dessus. Avec Siri. On peut sauvegarder? Ouais. Et moi, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain épisode. Parce que là, c'est un peu chaud patate. Allez, ciao tout le monde. Pousse.